Attention, nounours, nounours, sans guimauve et sans chocolat. Hachi pour Dandy 33 qui t'appelle. Oh, il y a quelque chose. Ouh, c'est trop QRP pour le moment. J'ai entendu quelque chose là, tout petit, j'ai reconnu le Roger Bip. Celui-là qui... bon, d'accord. Bon, là, je suis à Castillon-la-Bataille. Voilà, bon, j'ai encore un petit peu de route. J'adore ton Roger Bip. Même si c'est très, très QRP, c'est quand même dans la boîte. Hachi. Eh, hey, là tu manques d'importance, là, sans déconner, là. Là c'est vraiment... attends, je crève de chaud, moi, faut que j'ouvre la fenêtre. Et là tu m'arrives radio cacahuète, et encore cacahuète vide, parce que apparemment il y a des singes qui les ont bouffés, là, dans le coin. Non, mais c'est vraiment, vraiment trop QRP, là, de mon côté, là, pour le moment. Putain, il y a des belles baraques par ici, quand même. Hein. Je suis en train de regarder ça, là. Merde. Bon, voilà, je suis en train de sortir de Castillon-la-Bataille. Alors, on s'est donné rendez-vous sur le forum La Planète Cibi Francophone. Un message perso. Tac. On s'est organisé un petit truc. Complètement improvisé. Donc là, on va se retrouver quelque part sur la route, là où ça voudra bien nous mener. Après tout, il fait beau, la route, c'est droit devant. On l'entend derrière, je suis même pas sûr qu'il m'a entendu. Il est en train de papoter avec du monde sur le 24. T'es, ouais. J'aurais bien fermé la fenêtre, mais je crois que... Ouais. J'arrive! Ouh! Ce Roger Bip. Il y a toujours du monde, j'hallucine. Comme quoi, faut prendre le micro sans arrêt. Quitte à faire du monologue, à un moment donné, ça répond.
j'arrive, j'essaie de passer devant, mais j'arrive pas. Et 73-51 retourné, c'est assez QRP de mon côté, de Dundee 33, voilà, je suis en route en direction de Bergerac, et on va essayer de se faire un frontal, là, tous les deux sur la route, pour ce qui donnera le lieu du visu, Hachi. Ouais, mais continue, ouais, c'est QRP aussi de mon côté, là, dur dur. Ça monte. Dur dur, monte QRL, bon, les 73-51 nounours sans guimauve et sans chocolat car il est en vacances. Hachi, je suis en train de rentrer dans l'Héréo. Donc, bon, j'ai encore un petit bout de route à faire, mais bon, en plus de ça, cette route-là est assez lente. Alors, bon, ça va le faire. Donc, vu ton message, pour déterminer l'endroit où on va se rencontrer, c'est quand on sera face à face sur la route. Et là, ça nous donnera le point de rencontre pour le visu. Hein, c'est bien ça, quoi. ouais, non, c'est sûr que j'ai pas été le plus futé là sur le coup. J'ai peut-être oublié le coup que je suis sur le sud-ouest. Donc, et que parfois il arrive même à faire plus chaud ici sur le sud-ouest que sur la Méditerranée. Mais j'ai pris la voiture blanche. Donc, déjà, voilà. J'ai quand même pas tout faux partout. Quoi. Non, j'ai pas voulu la clim parce que bah, je sais pas, c'est pas encore rentré dans les mœurs, on va dire. C'est peut-être plus ça, quoi. Donc là, j'ai la fenêtre côté gauche grande ouverte, puisque bon, j'ai la caméra qui est à ma droite. Vu que l'orientation du micro côté passager, donc la fenêtre passager elle est fermée. Et au fait que je fasse gaffe quand même, ouais. Radar droit devant. Alors comme ça t'es venu te perdre sur la région, alors tu y viens tous les ans de ce côté-ci là sur le 24 ou c'est la première fois? Première fois que je suis venu dans la région et tombé amoureux de la région, je devais avoir, je pense,
puis bah, c'est tout, c'est comme ça maintenant, j'ai le pied dedans, là, les deux pieds dedans d'ailleurs. Ouais, les deux pieds, c'est plus pratique pour marcher. Quoi. Au fait, là, tu déconnes. Là, il y a un truc qui va pas là dans ta modulation. Hein. Là, non, ça ne fait pas là. On est sur le canal de la route et dans ta modulation, il manque quelque chose là. Là, ça craint, ça fait fade, ça fait tristouner. Il n'y a pas de gaieté, il n'y a rien là, dans la modulation. On dirait que tu as un TX en bois. Quoi. Non, là, t'es pas à la hauteur du Striker, là pas du tout. Là, ah, c'est normal, Rémi, là, parce que le Striker, il est en fixe, là, en vacances, il est en fixe. Bah, ouais, il faut quand même le laisser un peu reposer là pendant les vacances. Lui aussi, là, je vois ses propres vacances. Non, là, je module avec le CRT, là, le CRT 2000H, avec son micro d'origine. Voilà, et puis il met le 145 à la station, on va dire station QRT pour les vacances, hein. tout simplement. Ok, mais le micro, tu l'as quand même fait suivre, parce que alors là, le Roturbine derrière, on le reconnaît entre mille. Hein. Comment décrire le Roturbine? Marche sur les couilles de quelqu'un et tu vois ce que ça donne. Enfin, moi j'ai tendance à dire que c'est la vieille chouette, qui couille quoi, voilà, qui est restée coincée quelque part dans le fond du poste et dit donc voilà, j'ai comment dire, copié le programme du Roger Bip, je l'ai copié, enfin celui du Striker, je l'ai copié pour le mettre dans le CRT 2000 quoi, hein. Donc c'est pour ça. Mais après, dans le reste, ah, tu sais faire ça, toi? Oh, j'ai l'impression qu'en informatique, t'es beaucoup plus doué que je l'ai pensé, quoi. Négatif, c'est vraiment un coup de bol, là, parce que j'ai toujours essayé de faire la même chose sur le CRT 9009 et j'ai jamais réussi à le faire. Non, en informatique, je suis vraiment une quiche. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais tout sur... sur le smartphone, parce que voilà, j'ai pas vraiment d'ordinateur fixe à la maison, là, juste le portable des enfants, et puis voilà, de temps en temps je leur pique voilà, juste pour modifier le Roger Bip. D'accord, ben moi sur le téléphone, tu vois, moi c'est l'inverse moi, par rapport à toi. Au fait, ouais, sur le téléphone, j'arrive à rien, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que sur le téléphone, pour le forum, j'ai pas mis mon compte administrateur dessus, mais juste un compte simple utilisateur. Et la différence est très simple entre les deux. Quand je suis administrateur, il y a le 33 au bout de mon QRZ. Quand je suis en simple utilisateur, eh ben, le 33 il est parti. Donc, utilisation réduite, identifiant réduit, hachi. Je comprends mieux. Mais non, ouais, effectivement, j'arrive mieux à me débrouiller, on va dire, avec le téléphone. Alors avec l'ordinateur, il manque toujours un logiciel, un je sais pas trop quoi, un convertisseur de. Hein, et puis et du coup voilà, ça me gonfle et voilà, j'ai pas de temps à perdre avec ces conneries là. Il y en a d'autres qui vont me dire ouais mais non, c'est parce que t'es sous Windows, ouais mais non, faut mettre Linux, et ouais mais non, c'est mieux avec un Mac et patata. Non. Moi rien de tout ça, moi le truc il faut que ça marche tout de suite, et si ça marche pas, voilà, ça me gonfle ou alors ça passe par la fenêtre. Oh d'accord. Là, alors, puisqu'on parle de système d'exploitation, Windows, j'ai du mal. J'y suis vraiment que pour travailler les vidéos et puis c'est tout. Et dès que c'est fini, je rebascule de l'autre côté sur Linux. Où là, je suis un peu plus à l'aise. Et contrairement à ce que certains pensent, pour 5 fois, je viens de passer le panneau. Et contrairement à ce que certains pensent, Linux est très très facile à utiliser, puisque j'ai jamais utilisé de ligne de commande de quoi que ce soit de ma vie. Sur le téléphone, j'ai des doigts de mec, hein.
quand je pose le doigt dessus, c'est, j'ai une partie de l'écran que je vois plus. Quoi. C'est chiant pour faire quoi que ce soit dessus. Alors, comme dit la contre qui parle seule, au rond-point à droite. Ok, d'accord. Et au fait, t'es à côté là. Affirmatif, hein, je vois là sur le GPS, là, 1 km 2, là, je vais passer bientôt là au-dessus de la Dordogne. Et puis normalement, on devrait être rendu, je pense. Je sais pas toi si t'es encore loin ou pas. C'est un parking de magasin, un truc comme ça, c'est ça? Ben non, je t'ai dit un collège. C'est pas faute de l'avoir noté, hein. Je pense que tu dois pas tout lire tes messages, à mon avis, hein. Tu dois en zapper une grosse partie. Ou alors faut vraiment changer de lunettes. Eh bien justement, j'ai rentré ça dans le GPS et bien voilà. Voilà à quoi se résume une côte qui parle seule. C'est... Alors, je suis en train de faire le tour du rond-point. J'ai un rond-point avec un portail au milieu. Et toi, le GPS m'a envoyé là à Intermarché, là exactement. Brico-Pro Intermarché. Voilà où c'est que le GPS m'a envoyé. Ah ben c'est derrière Intermarché, là. Apparemment il y a un collège et puis avec une piste athlétique, je sais pas trop quoi là. En face du collège, normalement voilà, il y a un parking avec, j'ai vu, avec un arbre, hein, pour se mettre un peu à l'abri là. D'accord, après avoir fait plusieurs fois le tour du rond-point, le temps de t'écouter, j'ai pris une sortie, je suis en train d'essayer de voir ça. Oh putain, il y a un portique là. Alors derrière, tu me dis. D'accord, ok. Derrière. Je suis en train de visiter le secteur. Attends, là, j'arrive sur le rond-point. Je suis quasiment dessus. Et puis normalement, c'est la sortie, je crois, juste avant Intermarché. Ouais, c'est ça. Juste avant le Intermarché. Et normalement, t'as un collège. Bah ouais, Rémi, ouvre tes yeux là. T'as, je sais pas, mais du rond-point, on voit le collège quand même. Hein. Et il me semble avoir vu ta bagnole là. Ouais, c'est ça. Bah oui, regarde, là, j'arrive, là. Mais vas-y, fais un tour de rond-point, là, comme ça, je t'en vise. Oh, putain, j'ai failli écraser le vélo devant. Non, je déconne. Ok, j'ai failli exprès de revenir sur le rond-point, justement. Je me suis dit, putain, là, vu ce qu'il me dit, on va tomber nez, allez. Voilà, comme ça, retour du rond-point. Bon, alors, d'après ce que j'ai vu, c'est bien ça. C'est bien le nounours sans guimauve et sans chocolat, parce qu'il est en vacances. C'est bien ça. Ah, t'as failli dire sans culotte, sans pantalon là, hein. Ah, je sais pas ce que je vais prendre là comme sortie. Oh là, je fais une connerie là, mais n'importe quoi moi. J'avais dit qu'il allait avoir du... Voilà, un pauvre malheureux arbre, ben limite presque rien du tout en même temps. Ouais, un peu plus loin, il y a ça. Oui, effectivement, je... Ok, à droite. Voilà, que je fasse le tour. Hein? Là, t'as trouvé quelque chose, toi. Oh bah oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Toi, t'arrives bien du nord, toi. Ok, vu, d'accord. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Eh, ça existe, des voitures comme ça, quoi? Non, c'est tout en plastique, ça. C'est... Il n'y a pas un pet de métal ou quoi que ce soit, quoi. Sur l'autoroute, ça va? Ça se retourne pas avec le vent? Bon, il a tout coupé. Ok, je coupe.
Dipi-dipi-dipi-dipi-dipi-dipi. Achi. Quelle cochonnerie là, ces micros avec plus ou moins là. Eh voilà, j'avais appuyé sur le sur la mauvaise touche là avec mes grosses papettes. On remarque, ouais, pour un nounours, c'est normal quoi. Là, c'est d'ailleurs ce que me dit c'est ce que me dit Draker, hein, c'est que j'ai des grosses pattes et voilà quoi. Une fois qu'elles sont remplies de miel, ça devient collant, ça attrape de tout. Oh putain, j'imagine, j'ai l'image du poste plein avec le pot de miel qui a dégouliné dessus quoi. Oh bordel. Oh, ça le fait bien quoi. Et là t'appelles YL. Chérie, j'ai fait tomber un petit peu de miel dans la voiture. Ah si. Je sais pas d'ailleurs, est-ce qu'on va se perdre assez. Merde, ah le feu, forcément s'il y a un feu, faut s'arrêter. Faut pas faire comme avec les sens interdits d'ailleurs. Je sais pas là, si on va se perdre ou pas rapidement. Bah ouais, de toute façon tu me diras, là on va se. On va dans les sens opposés. En tout cas ouais, super visu Rémi là, ça m'a fait plaisir. Hein. Ça m'a fait plaisir et puis voilà de partager ça quoi, avec les copains là, du forum, tout ça là, je pense qu'ils en seront ravis. Bon, j'ai allumé la boîte de miroir derrière, j'ai passé l'antenne au miroir pour que ça passe mieux. Achille trois coups. Alors, j'ai pas le même ressenti. Moi, je suis complètement dégoûté. Je m'attendais à. J'espérais trouver quelqu'un con comme un balai qui part du principe que la CB doit être en usage militaire. Avec des règles bien strictes et tout. Et là, je suis tombé sur quelqu'un de trop cool. Là, je suis pas content du tout, là. Ah, je suis trop cool. Non, c'était vraiment super excellent, quoi. Ah bah oui, non, c'est sûr. Hein, ouais, je m'attendais pas à ce que réellement ton chapeau soit vissé sur ta tête. Hein. J'ai même pas vu ta tête sans ton chapeau. Imagine un petit peu là. C'est comme dans les à la fin là, de tes vidéos là, le petit smiley là, avec le petit chapeau là. Voilà, c'est en fin de compte, il est greffé. Tu l'as greffé directement dessus là. Oui. Attends, j'entends rien à un truc. Ok, Bordeaux-Libourne. Oui, parce que attends, je t'explique. J'ai pris la route, mais est-ce que j'ai fait gaffe quelle direction j'ai pris? Pas du tout. Non, mais toi, l'histoire de mon chapeau, c'est pas pour le folklore, c'est que il fait partie de ma tenue, c'est tout, quoi. C'est. Toi, quand tu sors, tu te mets bien des chaussures aux pieds. Bon, ben moi, je me mets un chapeau sur la tête. C'est le cas en dessous. J'ai la coupe funk mais à l'envers. Hachi trois coups. Et pour l'histoire d'autocollant, et encore, t'as pas vu celui-là que j'avais avant sur le pare-brise, hein, sur le coin du pare-brise droit de l'ERCI. Alors il est blanc à l'origine. Là, il était rendu marron cramoisi. Justement, Norbert, je lui avais montré, je lui ai dit, tiens, regarde le soleil du sud-ouest, comment il tape sur les voitures. Putain, il regarde son autocollant. Oh la vache, grillé l'autocollant, mais vraiment grillé, quoi. C'est pour ça que j'ai pas bien compris en fait. Ouais, t'as beau expliquer ceci, cela, la bagnole sans la clim. Je te dis, t'as dû l'acheter dans le nord, en Belgique, je sais pas, en Suède ou quelque chose comme ça, tu t'es dit. Il n'y en a pas besoin. Mais non, là, c'est. Franchement, je pense que là,
Mais disons, pour la petite histoire, c'est que dans notre cerveau, on a deux parties. C'est complètement con. Parce que quand les deux parties ne rentrent pas en communication l'une de l'autre, c'est le bordel. Une seule partie suffirait bien, quoi. Et le choix de la voiture sans clim, toi, il y a eu un problème de communication ce jour-là, quoi. Et bon, là, ça commence à devenir limite, là. L'antenne, c'est pas sous la voiture qu'il fallait la mettre, mais sur le toit de la voiture. Tiens, je croise... j'ai cru que c'était une antenne de CB. Ah tiens, tout à l'heure, en venant, j'ai croisé un camping-car qui avait la CB. Je pense qu'on devrait le voir sur la vidéo. Oh oui. Et là, je suis pas loin. Ah merde, j'ai pas regardé le panneau, trop tard. Bon là, ça commence à être un petit peu QRP, mais ça passe encore. Ah ben c'est pareil, pour moi, j'ai le... Ah ça remonte. Comment dire, j'ai le volume qui est à fond. Malheureusement, tu vois, pour le poste est... De voitures tamponnées sur le toit, quoi. Mais à quoi ils jouent ces mecs avec des antennes comme ça dessus, quoi. Ah, on se le demande, hein. On a envie de partir avec en courant, c'est clair. Hein. Bon là, je rentre la seconde même dans le petit village, les Réaux. Voilà, comme ça tu pourras voir sur une carte par rapport à la vidéo là où je suis. Là, je suis aux Réaux, les Réaux exactement. Ah, on va
t'es là. On va cuire t'es là. Mais bon, c'est très QRP, très compliqué avec les QRM aussi de mon côté. 10-73-51, toi, très content d'avoir fait ta connaissance. Oh oui, monsieur. J'arrive à Montcarré. Voilà, Montcarré. Si tu arrives à m'entendre à cette seconde-là, je suis à Montcarré. 10-73-51, retourné. Et merci pour le visu. Je pense que t'as dû relâcher le micro, je suppose. Au fait, j'ai pas vu les nounours en guimauve et chocolat. Hein. Je les ai pas vus ceux-là. Hein. Zut, j'ai raté quelque chose là. Ah, je m'attendais à les voir en vrai, hein, les nounours en guimauve et chocolat, mais rien du tout, quoi. Ah, ça le fait pas, ça le fait pas du tout. Ouais. Allez, bon retour à toi sur ton QRA vacances. Bon retour après là-haut dans le Nord, Hachy. Les 73-51, 212 QRA. Et merci pour le visu encore une fois. Et derrière. S'appelle sur la fréquence moniteur des kilomètres en mobile entre département 24 département 33. La mode Montcarré, Montravel. Heureusement qu'il y a les 40 canaux pour faire des QSO locaux parce que là. Elle est où la propague? Elle est où? Ah, c'est pas gagné. Hein. Bon, maintenant il n'y a pas que le canal 12. Hein. Thank you.
cette année au niveau de la propague. Pourtant, on est encore dans le sens montant. Et du coup, ce qui lui donne une propague très... Et bien voilà. Très sporadique. Ah, c'est en train d'arriver. Et c'est reparti. Dans ces cas-là, moi je m'embête pas. Je m'embête pas à rester sur les sups. Je suis sur la route, donc je me mets sur le canal de la route. Et 73-51 à tous, Dundee 33. 14 km 33-01, la planète CB francophone, le groupe RCKM. Et à la prochaine!